YouTube, bienvenue sur Total War Remastered. On va continuer notre campagne avec Carthage. On a repris du poil de la bête, on a réussi à dégommer les Julie en Italie sur leur propre terre. On a pris Segeste, Arretium, Ariminium. On a aussi fait un petit coup de poker contre les Numides. On a récupéré la cité de Cirta qui est entre nos mains à l'heure actuelle. On est également en train de préparer une petite force pour aller envahir l'Espagne et récupérer les villes dans le but de détruire la faction. On a plutôt des bons projets là. Et on va essayer aussi de s'occuper de ces maudits Julie là qui nous emmerdent. À Caralis, là, comme des pirates. On a aussi repoussé une force d'invasion gauloise, mais bon, on a perdu deux de généraux, ce qui fait un peu mal. Donc on a des idées, donc on va commencer déjà par le premier mouvement qui me semble évident. Repousser l'attaque des Numides sur Thapsus. Alors est-ce que si je la fais en auto ça passe? Défaite moyenne bien sûr parce que bon. Les Javelini hein. Les Javelini bien sûr. Il y a toujours un peu de. C'est ça qui me saoule sur le Rum Remaster, des fois c'est l'exagération quoi. On a de la cavalerie bouclier rond qui est quand même supérieure à leur cavalerie humide. Des troupes fraîches arrivent sur le champ de bataille. Envoyez-les où elles seront le plus utiles. Oh, on va déjà aller anéantir ce que je vois là. Il nous envoie quoi? On va essayer d'isoler un peu les différents régiments adverses. Ouais, comme tu dis Jojo, les joies de la résolution auto. Allez, on va se faire un petit encerclement total. Les premières unités sont en train de craquer, ça c'est cool. Voilà, c'est bien. Bon, par contre là, ça commence à me saouler un petit peu l'exagération là. Une petite charge dans le dos là. C'est que des cavaliers numides, hein. C'est pas la meilleure cavalerie du siècle non plus, faudrait peut-être pas déconner quoi. Voilà. 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 Ça en fera réfléchir plus d'un. Il y en a qui se barrent parce que j'ai un peu râlé. Bah. Eh bien sûr, ça nous fera un général. Yes. Ça nous fera un général en Afrique. Et maintenant, toi, hop. Bon, je comprends pas. Bon, on va pas se plaindre. Toi, tu vas rester là. Et nous, on va se mettre en route là-bas. Hop. Donc déjà, Thapsus, c'est défendu. Dès que je peux, je ferai un temple de balle ici. Hein.
Maintenant, on va repousser les brutis de Capou. Alors, je sens que là, ça va être une autre paire de manches. Ouais, vu comment on est désavantagé. Bon, après, on a les frondeurs, donc ça va aider un petit peu. En vrai, on pourrait tenter la stratégie de l'usure. On tire sur les... Alors, agites peuvent tirer. Alors, où est-ce qu'ils vont? Évidemment, ils se replient à l'autre bout du monde, sinon c'est pas drôle. Peut provoquer nos ennemis. Avancez à marche forcée. Unité, avancez, unité. Unité. Attends, tu vas pas me dire qu'ils peuvent tirer de là, c'est une plaisanterie. Non, t'es sérieux là, le jeu? C'est déjà fini. Ok, je veux bien qu'ils aient la hauteur, mais à un moment, faudrait peut-être pas déconner, quoi. J'hallucine. Les javelinions peuvent avoir la portée, bien sûr. C'est incroyable. Alors là, je suis sur le cul, là. Je veux pas que t'aies un bonus de portée, mais à un moment, il y a bonus et bonus, quoi. Attention, ici. Je veux juste qu'il se barre. Barrez-vous, barrez-vous. Je vais tenter d'aller les sniper, même si ça promet d'être compliqué. Oh là là, attention. Bon, au moins il vise mon général, ça m'arrange. Moi je peux les faire paniquer un peu comme ça. On va reculer. Non mais bon, à un moment je veux bien tout ce qu'on veut les gars, hein, mais osez me dire que c'est normal ça, osez me dire ça. Alors là je peux tirer sur quoi? Des Astati. Ah, là dans le dos ils aiment pas trop, hein, curieusement. Ah, je te dérange pas, toi. Attention. Ils envoient les Princeps, ok. Détruisez-les, avancez
On va reculer tranquillement. Oh, il y a peut-être un contre-tir là. Bah vas-y, ramène tout le monde, vas-y, vas-y. Hop. Là, il y a peut-être une charge à faire. Évidemment, ils se remettent, ils se rebasculent au bon moment, curieusement. Ça, faut m'expliquer, hein, par contre. Je vois que c'est de la cave légère. J'entends bien que c'est de la cave légère, mais quand même, quoi. Ils sont plus 29, ils tiennent encore, hein, les sacs. Oh. On va peut-être tenter d'anéantir une deuxième unité gratos, là. Oh, bien joué ça. On va peut-être aussi s'occuper de ces vitesses tant qu'à faire. On va pas trop tenter le diable non plus. Ok. Peut-être commencer à sortir mes troupes d'infanterie aussi pour tiens. On va reculer tranquillement. Ouais, bien sûr, les Astatis vont me rattraper. Oui, aussi, tu veux pas s'emballer un Mars non plus. Ah, le général il s'est en train de s'isoler là. Attention. Non, sérieux, la carrière qui se barre. Elle a même pas été touchée. Elle n'a même pas été touchée là, le jeu là. Si tu me fais quoi. Bon, par contre, là, la phalange, on va la retirer. Ils sont vénères là, ouais. Je pourrais tenter une grosse charge dans le dos, mais c'est pas sûr que ça passe. Et ils vont me rattraper, bon. La blague, quoi. Quelle vaste blague, le jeu là. L'autre unité qui me lâche. Bah oui, vas-y. Allez, vas-y, engagez-le. Moi, je vais charger dans le dos. Bien joué, ça. Oh non, on va perdre sur ça, c'est une plaisanterie le jeu là. On va reculer. Évidemment. Hein. Ah ça y est, ça joue brutis, ça y est. Oh ça m'énerve. Reculer. Bon, ils sont en train de se venir près de nous, c'est bien. On va essayer de jouer là-dessus. Vas-y, tire là. Ouais, on va tenter un harcèlement là.
Allez, dégagez. Bien joué. Ils sont combien? Ils sont 175. Hein. Putain, ils ont encore deux Princeps. Oh. Oh là, s'ils m'offrent leur leur Vélites, là, je vais les prendre. Hein. Allez, go, go, go. Bon, ça, c'est réglé. Ils ont plus rien, là. Ah, ils ont plus rien. Ils ont encore deux Principes. Mais qu'est-ce que vous faites, vous deux? Ah, ils protègent leur général, c'est malin, ça. Vite. Là, toute leur unité s'est engagée, c'est bien. Non, sérieusement, la carrière n'a même pas été engagée. Les gars, la carrière n'a même pas été engagée, sérieusement, là, le jeu. Le jeu, franchement, là, c'est dégueulasse, là. Bon, on va essayer de t'épargner, toi. Votre général fuit l'ennemi. Quelle honte pour votre armée. Ouais, tu l'as dit. Vite, recule, recule. Essayez de se rapprocher des murs. Allez, allez mourir devant les murs, ça me fera mes affaires. Et le pire, c'est qu'ils perdent. Ils ont pas perdu grand chose, hein. 64 et... On n'a plus d'infanterie, on a un lambeau de cavalerie. On va se marrer, hein. Qu'est-ce que tu fais maintenant, toi? Il s'en branle, hein. Putain, ils s'en battent, les noix. Vite, vite. Attention. Putain. Je vais tenter un truc. Bon, c'est fou, c'est couillu, mais bon, pourquoi pas. Alors, ça donnerait quoi si on fait ça? Évidemment, ils s'en foutent.
Bon. On a compris, hein, ils ont gagné. C'est quand même une honte ce qui s'est passé là. Bref. Bon, on a réussi à s'échapper, alors je sais pas comment on a fait, mais bon, c'est pas grave. Notre ami est toujours en vie. Donc on va tenter de se barrer. Ah, on ramène des renforts. Les Julie ramènent des troupes là. Il ramène un général pour tenter une reconquête peut-être. Ah, ils ont perdu contre les rebelles là. Là c'est sévère. Bon, on a toujours le nord d'Italie pour un instant. Alors mais vous, vous êtes les casse-couilles du moment. Hein. Évidemment, il y a 6 navires qui traînent là, c'est compliqué. Et là j'ai mon armée qui est isolée. Ils ont beaucoup de caves, nous aussi. Les écoutez, s'ils ont combien de mains? Ils ont 7. Nous, on a combien avec notre cavalerie? Eh, on est notre cavalerie est meilleure que la leur déjà. C'est un avantage. Bon, là, par contre, on est un petit peu en territoire ennemi là. C'est. Ouais. Là, on est un peu dans le brin. Alors bon. Au prochain tour on débarque, on prend Oska. Ici on va faire une tour sur le chemin. Est-ce que je peux reprendre un autre Mercos? Non. Donc là on va essayer de se terminer sur l'Espagne, là je sais pas ce que ça va donner mais ça va être chaud. On va tout embarquer sauf ça. On embarque toute notre cave. Ok. Ah bon, les Bretis, je peux comprendre vu que j'avais fait exploser des Julies, donc ça c'est pas le problème. Mais bon, là il faut qu'on s'occupe de l'Espagne rapidement pour gagner la campagne. Le pays des morts sera peuplé de nouveaux habitants avant la tombée du jour. Prenez garde de ne pas faire partie du voyage et envoyez-y plutôt vos ennemis. Attendez mes ordres. Et là, c'est ce qui est bien, c'est que si vous regardez, on a un équipement, on a un point d'attaque de plus pour l'équipement, ça aura son utilité contre nos adversaires. Des troupes fraîches arrivent sur le champ de bataille. Envoyez-les où elles seront le plus utiles. Évidemment, il y a qui se plante dans son coin, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Alors, ça donnerait quoi si on fait ça? Et merci du raid, Sir Madness, bienvenue à tous, les Sirmaniens ou stagiaires. Welcome, welcome. Ils sont très loin, notre infanterie. Hello there. Là, j'ai envoyé deux unités dans le dos. Bon, là, j'ai un général isolé, c'est pas bien, mais on fait gaffe quand même. Donc écoutez, ça cède d'attaque. Alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Allez, allez.
Déjà là, il y a une unité qui a complètement craqué. On va tenter un flanking là. On va tenter une percée ici. Allez, bam! Là, toute l'armée est en train de partir en déroute. Bon, ça n'a pas été compliqué. On va quand même essayer d'anéantir leur infanterie pour être sûr. La cavalerie, on les rattrapera pas. Toi, viens là. Non, dommage. Voilà, on a cassé la gueule à cette armée de Julie. C'est un petit avertissement sans frais. Et il me semble qu'ils peuvent... Alors, s'ils sont à Carlis, je ne sais pas comment ils l'ont développé, la ville, hein, mais on pourrait aller voir. Bon, bah, l'armée est détruite. Est-ce qu'ici, je peux refaire des troupes de cavalerie? Je peux refaire deux troupes de cavalerie aussi. Ok. Parfait. Bon, le nord d'Italie devrait tenir. Par contre, lui, je suis très inquiet. Je sais pas comment il va revenir, mais... Donc là, on a notre armée qui va être prête à débarquer en Espagne. Il faut que je surveille Caralis. Hein. Il peut former que de la garde civile. Son armée principale est bloquée. Alors, je ne sais pas pourquoi. Bon, bref. Je vais regrouper cette flotte-là. Comme ça, on aura trois vaisseaux de près dans le coin. Et ici, ah oui, il y avait ce truc que j'ai pas rasé, c'est pas bien ça. Hop, notre armée là va revenir à Carthage. Ah. Les Julis qui ils espionnent Rome, tiens, tiens. Les Séleucides n'existent plus, oula. Un bon mari. Carthage, tiens, tiens. Voilà, hop. Bon, pour le moment, il n'y a personne. On est à 6 contre 5. Est-ce qu'on a nos chances? C'est léger quand même. Hein. J'ai testé, mais je doute que ça passe, connaissant l'IA qui triche. Ah, quand même. J'ai eu peur. Voilà. Ah non, encore une force d'invasion des Brutis. Des Gaulois. Bon, après, on a notre cavalerie qui peut intervenir. Donc, on pourrait calmer les Gaulois dans, au nord. Hein. J'ai débarqué mon armée. Et vous allez vous mettre en route pour Oscar rapidement. Normalement, il n'y a pas grand chose. Trois unités, c'est correct. Ouais, ça, ça pue dans le dos, ça. Oh, il y a un chef dedans. Ça va picoter, ça. Oh putain. J'ai un front d'or envoyé en renfort à Aritium. Votre honneur. Tout de suite. Ah le pont, bonne, très bonne question. Jojo. Je vais mettre là-dedans. Je vais le provoquer à m'attaquer ici. Évidemment, il m'attaque sur la ville la plus faible. C'était mon but.
Ah, ils sont vénères, mes ennemis, hein. Punaise. Ah, ils ont décidé de tous se foutre sur moi. Mais bon. Ça, c'est embêtant. Évidemment, on dispense qui rassemble une flotte massive. Oula, on est dans le déficit, là. Bon, déjà, on va dégager, on va récupérer Oscar pour nous. Parfait, Oscar vient de tomber. On va se remettre en route avec Sofs, lui et lui. On va continuer sur le chemin. Alors là, on perd de l'argent, ça c'est à cause de cet assaut, je suppose. Alors j'ai déjà regardé ce qu'ils ont là. Ah, ils se sont fait full mercos, quoi, sérieux. Je vais faire un test là. S'ils me disent qu'ils gagnent, là, c'est du scandale. Bien sûr. Bien sûr. Scandale sur 20, là. Vous avez vu ça? Pont Uxin, pont Toxinos, ok. Ouais, je sens que c'est pas encore terminé complètement. Il nous reste combien de provinces à aller chercher? Il nous en reste 4. Hein. Attends, ils ont repris mon... J'ai pas vu ça, le fait qu'ils m'aient repris ce cabalis là. Ils se sont repliés là-dedans. Ça, là, on pourra se faire une attaque là, aussi une autre attaque là, et on pourra aller vite dégommer. Hein. Ça me saoule tellement les abus du jeu, je vous jure. Défaite franche, quoi. Ils disent que t'as un peu plus de 60%. Salut Xius. Ouais, je m'énerve un petit peu là sur, sur Rome. Avec le fait que bah il y a un petit peu de, je trouve, de l'exagération dans la résolution. Mais... Donc, déjà là on va attendre. Bon là ça va être pareil, hein, il va me dire la même chose, le connaissant. C'est quoi? Je vais pas y aller avec un généraux, j'y vais avec les deux là. Là j'ai tenté de dégager les limites de Thapsus. On a attaqué sur plusieurs fronts, c'est assez chaud cette campagne. Hein. On va essayer de faire ça. L'ennemi a du souci à se faire. Les renforts sont arrivés et viennent consolider vos forces. Avancez à marche forcée. Unité. Unité au point de course. Bon, déjà on va se mettre en position. Alors, on sait qu'ils n'ont pas de tireurs déjà. Enfin, ils n'ont pas de cavalerie. Et le général, il est où? On va essayer. Ah bah ils sont, ils m'ont rejoint. Oh là là, attention.
Il y a du mouvement qui va opérer. Et il est où le général? Il est là. Attention. Oh, il y a du tir de provocation là. Attention, contre... Hop, on va feinter. Allez, go, go, go. Quoi? D'où je perds une cavalerie comme ça? C'est une plaisanterie, le jeu, là. Là-bas, le moins, abattez-le-moi, ce garde du corps là-bas, il est isolé. Le général ennemi, hey. Vous le voyez, attaquez, brisez la volonté de ses troupes. Par les dieux, quel idiot ce général ennemi. Il s'est sacrifié plutôt que d'affronter la défaite à la tête de ses troupes. Là, il faut abattre, c'est un... Ah bah, parfait. Oh là là, ça m'énerve quand lui, il a un coup de bol, il arrive à s'échapper. Le truc qui te saoule au plus haut point. Allez, go. Ah bah non, on a eu les deux. On a eu les deux généraux. Bon, c'est une bonne chose. Bon, maintenant on va repartir là-bas. Putain. Et là, maintenant, ça va être le casse-tête cavalerie. Il faut essayer de dégager les Gaulois d'ici. Et là, ça a été une autre paire de manches ici, croyez-moi. L'ennemi a du souci à se faire. Les renforts sont arrivés et viennent consolider vos forces. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous envoie là? Des mercenaires barbares. Et le reste est là. On va essayer de les faire googoliser un peu. Ils ont des détachements par-ci par-là. Ah, ils ont des mercenaires barbares. Oh là là, ça va être horrible ça. Faudrait qu'on arrive à shooter rapidement leur général, mais bon. Je sais pas si ça va le faire. Sincèrement. On va essayer de les forcer à se déplacer. Pour essayer de faire en sorte que leur bloc se disperse un peu. Allez, viens là toi, viens là. Viens me chercher, c'est ça que je veux. Allez, viens là mon mignon. Allez, on a isolé le chef. Oh là, ça c'était con. Et là c'est pareil, on va perdre des unités bêtement.
Mais là, on a réussi à isoler leur chef, ça c'est bien. Ça y est. Bonne soirée, Jojo, merci. À la prochaine. Voilà, les barbares, ils ont aucune chance de revenir. On va reculer, on va les laisser s'isoler un petit peu les uns des autres. Et on va, ça va l'armée va se désolidariser, je vais y arriver. Oh, on court. Hop. Oh, il se replie. Allez, go. L'ennemi prend la fuite. Boutez-le hors. On les massacre là. À vos ordres. À l'attaque. Parez. La victoire est douce. L'armée ici qui est détruite, ça c'est très bien. Par contre, vous, faut repartir là-bas. Déjà, on va refaire ces régiments-là. Là, ils ont beaucoup d'infanterie du désert, bon, on a des hoplites. En vrai, c'est top. Je pense que c'est jouable celle-là aussi. Attendez mes ordres. Général. On a un groupe de javeliniers, ok. Ils ont de l'infanterie orientale, non? Ou j'ai rêvé? Ils en ont là. Allez, grosse charge au centre. Mais ça, ça me saoule, ça. Votre général s'est sacrifié. Sans déconner, c'est... Vous avez gagné à la victoire ou provoquer la débâcle de votre armée? Eh, j'en ai marre du pas de bol, moi. Le vrai visage du général ennemi. Il cherche avant toute chose à sauver sa peau. Mais sérieusement, les gars, allez. Une bonne charge dans le dos, vite. Voilà. On va reculer sagement. Ça, c'est quand même dégueulasse, ce qu'il vient de me faire, le jeu, là. Évidemment, il me charge dans le dos. Le moral, il me claque dans les pattes. Voilà. Là, c'est fait. Salut Tom Tom, ça va être heureux, je râle un peu sur l'IA, sur Rome Remastered, un bien transcendant.
Je perds un général sur un coup de pas de bol contre un javelinier. Le mec est au corps à corps, mais bon, il crève comme une merde. Allez, retire ton armée de chez moi, merci. Donc là, j'ai réussi à tomber les sipis depuis longtemps. Là, globalement, on peut plus faire grand-chose de plus. À part passer les tours. Là, j'aurais pu pousser sur Asturica. Bah, vas-y, pousse sur Asturica, toi. Ouais, la cave carthaginoise, c'est pas de la merde, hein, pourtant, tu vois. C'est ça qui m'énerve. Ici, je vais faire une écurie, ouais. Là, je vais refaire toute ma cave. Ici. Hop. Est-ce que je peux recruter un fondeur? Oui. Comme ça, on en aura deux. Ça sera utile. Oh putain, là, on va pas survivre par contre. Je vais faire une cave en renfort. Toi, tu vas repartir à Carthage et Fissa. Voilà, on va refaire ces deux caves là. Donc on va surveiller un petit peu ce cannabis, comme ça nous, l'autre armée se mettra en route. Tu sors d'où toi? Sérieusement quoi? Je fais beaucoup de mercenaires, ouais. J'essaie d'être roleplay un peu là-dessus. Mais je trouve qu'il y a un peu de l'IA, là. Je me prends une coalition de tout le monde, c'est un peu dégueulasse, quoi. Il y a juste ça qui me saoule. Eh, hey, attends, c'est l'armée principale des... Des Julie, ça. Oh, il y a un coup à faire, les gars. Si c'est ce que je pense. Oh non, va chier le jeu. Je vais recommencer. Il y a un truc à jouer. Il y aura eu beaucoup de recharges. Je peux comprendre que ça va pas plaire, mais bon. Si ça vous plaît pas, bah, il y aura d'autres vidéos, il y aura d'autres chaînes à aller voir. Bon là, je pourrais sauver mon général, tu me diras. L'armée, elle est là-dedans. Et il n'y a qu'un navire. Bon, là, on va le bloquer. Vous savez quoi? Je vais la refaire, la bataille. Je trouve pas ça juste que mon général soit mort comme ça, quoi. Non mais franchement, mourir contre un javelinier, c'est vraiment le truc qui me fait mal, quoi. Attends, il y a un truc qui va pas, là. Attends. Non, attends, il y a un truc qui cloche, quoi. Attends. Tout à l'heure, il n'y avait pas de général. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Attendez, non, il y a un truc qui m'a échappé, là. Je suis tombé dans une autre dimension. Le jeu là, il me troll, hein. Ah, attends. Ça doit être ça alors. J'ai pas compris pourquoi. Normalement, c'est le tour 40 là.
Ah, voilà. Donc là, j'ai sauvegardé sur Carthage 4, comme ça on est sûr. J'ai retrouvé la bonne. Save. Je vais contourner. Voilà, comme ça on va pouvoir faire un siège. J'ai recruté ces deux-là en renfort. Ok, c'est bien. Carthago Nova, on va refaire le siège aussi. Alors, je vais juste voir la composition de leur armée, tiens. Oh, ils ont deux chiens de guerre, ok. Même sans déconner quoi. Même avec l'attaque de nuit et tout, ils me disent que je perds. Non mais y a, franchement, le jeu, je comprends pas comment ils l'ont fait. Bon, ok, on va attendre. On a 4 tours, on va être tranquille. Pressez-vous, notre patience a des limites. On va le corrompre, ça passerait ou pas? Laissez-nous tranquille. Non. Écoute, on va juste passer le tour, on va tenter le coup, hein. Pourvu qu'il nous assiège pas. Non, ça va. Ouais, mais bon, il y a un moment... Non, mais... C'est un truc de malade, ce focus que je me suis pris dans cette campagne. Il m'attaque où, lui? Ah, il m'attaque directement, comme ça. Ah ouais, ok. En gros, faut que je détruise l'Espagne si je veux avoir une chance de battre les Gaulois, quoi. Ok, on va tenter, hein. J'espère juste que les Julies ont plus de ville après ça. À un moment, faudrait peut-être arrêter la merde. Voilà. Ouais. Tiens, pour la fête. Tiens, les Julie. Voilà ce que je vous dis. Je vous dis ça, moi. Donc on a eu deux factions romaines sur les trois. Hop, on continue là-dessus. Comme ça, on va continuer à se mettre en route avec notre force ici. Je vais laisser un de mes gouverneurs ici, je vais repartir avec... Avec eux, là. Et je vais vite les faire embarquer à Carthage. Et vous allez m'entrer dans le port. On va ramener ces précieux renforts là où on va essayer d'aider en Afrique du Nord. Je vais peut-être ajouter une milice ou deux. Toi tu vas rester là. Là tu peux recruter ou pas des Mercos aussi toi? Un de plus, allez hop.
Bon, au moins on aura anéanti les... Bon, on est quasiment sorti là, faudrait juste qu'il arrive là-bas. Bon, vous savez, vous avez fait le boulot. Évidemment, les Gaulois qui m'arrivent en masse, bien sûr, c'est pour moi, hein, on le sait. Ah bah j'ai gagné ici, ça va, ça me plaît. Et une alliance avec eux. Non, même pas. Droit de commerce, tu voudrais ou moins? Une proposition voilà. Plus généreuse. Il nous reste plus que 3 colonies à aller chercher. Ok, là c'est fait. Cordoue, ça va retomber. Je continue d'attendre. ...13, 14 et 15, logiquement, il faut qu'on tienne quoi. Et ça c'est pas gagné. Je vais lever un peu les taxes ici, toi tu vas revenir là. J'essaie de terminer la campagne ce soir, mais bon, si les Gaulois arrêtaient de m'envoyer des armées en masse, ça m'arrangerait. Ouais, bah oui, bien sûr, on voit tout le monde aussi. Ouais, lui, il nous le faut. Bon, il y a Caralis, ok. T'as à peine le temps de te défendre contre une armée qu'il y en a une autre qui se pointe. C'est un truc de dingue, quoi. Que je peux avoir des mercenaires comme ça? Ouais, il m'en faudrait 2. Parfait. Putain. C'est quand même chiant l'Espagne comme territoire. Hop. Bon, à un moment, il faudra peut-être mourir les Ibères. Hein. Eh ben non. Ils sont increvables, les Ibères. Ils sont immortels. Je sais que je peux le battre. Hein. Oh, cette armée, je sais pas où elle va, mais attention, qu'est-ce qu'ils veulent? Ah, ça tente un baroud d'honneur là. Alors, je suppose qu'il va me dire que je perds toujours. Ah, quand même. Tiens. La victoire est à nous, Seigneur. Cadeau. Là, il faut faire quelque chose parce que ça pue. Hein. Gagné! Navire paré! Aux armes! En avant!
Alors là, je vais laisser quoi en arrière? Je vais laisser ça. Je vais laisser ça. Et derrière, on va faire ça, des scutari. J'ai amené ses renforts aussi là-bas. Bon là on se met plutôt pas mal. Hein. Je vais rajouter une quatrième cavalerie comme ça. Je vais faire des murs ici. Là, on va réparer les murs. On va faire un temple de Baal aussi. Pareil ici. Là, je vais réparer ça. Je vais détruire ce temple-là. On va faire un temple de Baal aussi. Là, on va renforcer nos murs. Temple de Baal aussi. On va faire un marché, des routes. Alors, qu'est-ce que tu veux, le bâti? Puissions-nous tu veux cesser le feu raisonnable. Je te propose qu'il y ait des droits de commerce pour l'instant. Je te demande un paiement de 2500. Très bien. Parfait, les brutis en moins, déjà, ça va être un autre problème. Puissions-nous mettre fin à ce... Oh non, alors toi, non. Tu vas y passer, mon pote. Voilà, on perd Sirta, fallait s'y attendre. Ah, ok. Et bien sûr, ça ramène une armée au même moment où on arrive avec nos renforts. On va reculer sagement. Cette armée là, elle va être massivement dangereuse. Ouais. Eux, ils ont... Ouh, ils sont en train de se faire une de ces armées. Eux. Tranquille. Comme ça, là, on a le chemin ouvert vers Ariminium. Puis-je vous être utile? Tout de suite. Toi, tu continues de tracer. Ça fait qu'il nous reste combien de territoires là? Il nous en reste deux. Je vais faire un test de save. Évidemment. Il y a du monde là-bas, les Psis Magna, c'est ça le problème. Je vais me refaire aussi une garnison là. Je suis à 4, je vais rajouter lui. Est-ce que je peux avoir un Mercos? Non, il n'y en a pas ici. Et là? Non plus. En vrai, il me manquerait que deux colonies à prendre, quoi. Une ici. Si j'arrive à récupérer Sirta par je ne sais quel moyen. Navire paré. Puissant général.
Préparez à manœuvrer. Préparez à naviguer. Allez, on y va. On va tenter de récupérer Sirta aussi, comme ça. On a bataille de nuit en plus, bah c'est parfait. Bon, je suis désolé, l'épisode va durer peut-être un peu plus que prévu, mais je sais que je suis pas loin de se terminer cette campagne. Qui est un cauchemar, un Carthage en cours, littéralement. En principe, il ne devrait pas avoir de morale. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est chiant? Comme ça, on va peut-être attirer leur général. Bon, je m'en fous, c'est que des mercos hein, là-dedans. Si ça peut faire isoler leur général, moi c'est ce que je veux. Oh, il y a un truc là. Ce général est un ennemi parfait. Attends, celui-ci. Ça y est. Voyons ce qu'il reste de courage dans le cœur de ces soldats. Ouais, on continue. La victoire est douce, surtout quand elle. Voilà. Là on est bien aussi. Par contre trop de cavalerie à un moment ça va pas le faire non plus. Il nous faut qu'avec un peu plus d'infanterie l'autre là. Évidemment là il nous attaque. Non sérieux là le jeu, le focus player là c'était vraiment insane sur cette campagne. Ok. Waouh. Je suppose que si je tente une sortie, je me fais rap. Ils me disent que c'est équilibré. Voilà. Ils auront pas de cavalerie, là, ceci dit, sur cette bataille. Nous, on en aura à gogo, c'est ça le problème. Alors on va pas traîner. Je vais tenter une sortie là en... Ici. Là, ils me disent que je gagnerai de peu. Est-ce que c'est le cas ou c'est faux? De fait cuisant, bien sûr. Ça, ça me dégoûte un peu, ça. Ils disent, ouais, tu gagnes. Et derrière, tu te fais entuber. Indignité sur 20 détectée. Là, je suppose que si je fais la même, ils me disent que je perde.
Égalité, bien sûr, il perd que 300 hommes. Tu parles d'une égalité, toi. Au moins, on aura vu qu'il y a, bah, c'est pas ça, hein. Je pense que c'est ma campagne la plus salée sur Remastered. Ils auront beaucoup de tireurs derrière, mais c'est faisable en vrai. En négociant bien. Paré à naviguer. Paré à manœuvrer. Si, puissant général, droit devant. Navire, faut paré. Se rendre, puissant général. Et là, on va tenter la sortie à Arithium. Là, je vais avoir beaucoup de cavalerie à gérer, donc ça va être pas mal non plus. Allez, on sort tout le monde. On essaie de choper les unités isolées. Impétueux. Ça me surprendra toujours des détachements d'infanterie. Qui sont impétueux, littéralement. Ça me fascinera toujours, ça. Évidemment, ils vont réussir à me faire volte-face au dernier moment. Ah, ils sont plus qu'impatients, donc ça m'arrange. Reculer. Non, je perds mon deuxième général sur le premier. La charge, non mais c'est une plaisanterie. C'est inadmissible ça. C'est une honte. Bon, on va reculer, il y a quoi là? C'est quoi ça qu'on voit? Bon là ils ont... Ok, la charge là c'est brisé aussi. On continue. Ils sont complètement en train de... Hop. On va reculer. Ils me chargent là ou pas? C'est bien comme ça là. Hop, contre-charge par ici. Alors vas-y, poursuis-moi. Allez, boum. Allez, rentrez chez vos mères. Et lui, le 44, ils reviennent, tranquille. Bah oui, bien sûr. C'est quoi ça? Attention. Oh, le général adverse, le capitaine adverse, vite, recule. Yes. Quel idiot, ce général ennemi! Il s'est sacrifié plutôt que d'affronter la défaite à la tête de ses troupes! Allez, on continue. Unité chargée!
Oh, par là, ça a complètement craqué, ça c'est bien. Allez, go. On nettoie tout ça. Allez, go, go, go. Alors lui, il y en a un, je crois qu'il a pas compris, il a fait tout le tour de la ville. Ouais, encore sur un coup de pas de bol, quoi. À chaque fois, j'ai en ce moment, mes généraux sur cette campagne, ils meurent sur la charge. Bon, ça était, il était pas important, il était récent, mais ça fait chier quand même, quoi. Au moins, l'armée, ça reviendra pas. Je vais continuer de renforcer mon armée du piquier. Je vais faire aussi peut-être un temple de balle ici. Bon, par contre, là, on va peut-être perdre ses gestes. Hein. C'est ça le souci. Là, on a posé le siège à Scalabis. Donc, au prochain tour, ça devrait aller. Donc là, j'amène des renforts. Ok, il tente la sortie. Je vais reculer. Qu'est-ce qu'il me veut l'espagnol? Puissions-nous mettre fin? Oh non, non, tu vas pas m'avoir, toi. Encore un gouverneur avec Carlis. C'est le point de rendez-vous. Alors déjà là. J'ai envoyé tous mes renforts ici. Voilà. Là, déjà, les Espagnols, on va les dégager pour de bon. Voilà. Hop, l'Espagne, c'est terminé. Remarque, il m'arrive la même chose quand je joue les Écossais sur Medieval 2, donc une chance. Donc, on a éliminé les deux factions qu'il fallait. Voilà. Donc les Espagnols, c'est dégagé. Là, on va continuer ici. Donc il ne resterait plus qu'une ville à tomber. J'ai envie de te dire d'aller faire tomber Rome, ça serait drôle. Vas-y, on va aller faire tomber Rome, soyons fous. J'avais un espion dans le coin, il peut y aller. Ouais. J'espère que ça suffira. Pourvu que les Gaulois ne tombent pas cette ville ce tour-ci, non, ça va. Si je prends Rome, alors là je suis aux anges. Ça passe ou pas? On va tenter, hein. Si tu me dis que ça passe le jeu, je dis rien. Oui, oui, oui. La malédiction de Didon va s'accomplir finalement. Et en plus, Aléobal est conquérant. Et là. C'est Roma Delenda Est. Comme la victoire est douce,
Les skippies, ces menteurs, ces manipulateurs sont morts et enterrés. Et ces barbares d'Espagnols ne vous poseront plus de problème. Vous pourrez savourer votre triomphe. Continuez à jouer. Oui.